on fait une très très mauvaise première mi-temps. Notamment notre jeu offensif a été vraiment très stérile, alors que depuis le début de saison, on avait l'impression qu'on pouvait marquer beaucoup de buts contre n'importe qui. Là, on est en difficulté en attaque. Donc, on va se remettre au boulot. Non, voilà, un match de hand, il est fait de haut de bas. Je pense qu'on a plutôt bien géré cette première mi-temps. On a fait que Brest a perdu quand même pas mal de ballons aussi. C'était pas envisageable. Enfin, moi, j'envisage pas forcément un scénario, un score à la mi-temps. C'est vrai que jusqu'à la mi-temps, c'est quand même super agréable. Ce qui était bien, c'est que la défense a répondu présent, et ce qui était bien, c'est que les filles en deuxième mi-temps ne sont pas désunies, elles ont resté solides. Et le moins 3 ou moins 4, il y a 14-11 à la mi-temps, donc on fait un plus 4 en deuxième, ce qui est plutôt pas mal. Bien évidemment, c'est amer parce qu'on touche du doigt, aller chercher un point, aller chercher une victoire. Mais en même temps, il y a ce côté fierté d'avoir hissé notre niveau de jeu au niveau de Brest, même des fois avoir vraiment su les faire déjouer, ça c'est vraiment agréable. Donc oui, c'est amer parce qu'au vu de ce qu'on a produit, une petite récompense à la fin, ça aurait été bien. Oui, bah, comme c'est les derniers matchs, on se fait toujours peur. C'est compliqué de trouver du positif maintenant, parce qu'à chaud, c'est assez compliqué. On a bien géré la dernière action en défense, donc c'est ce qu'on va retenir, la victoire aussi. Après, le contenu du match, c'est assez compliqué de trouver des bonnes choses à chaud. Après, on a des périodes où on défend bien, des périodes où on défend moins bien. Il y a des moments où Sandra, elle est là, des moments où elle n'est pas là. Elle est là souvent au bon moment, donc ça nous rebooste et après, ça nous permet d'aller plus vite vers l'avant. Mais il faut qu'on arrive à être constante sur notre défense et pouvoir aider Sandra plus souvent que comme on fait actuellement.